Dans le cadre de l'accord du New Deal qui a été signé le mois de janvier 2018, 84 communes du département de l'Aveyron doivent passer à la 4G et l'Estrade Étoile, c'est la première de ces communes à passer en 4G mutualisé à 4 opérateurs. Ce nouveau pylône, dans ce pylône qui n'est pas nouveau mais qui accueille aujourd'hui la 4G et qui offre à tous les habitants de l'Estrade et son environnement proche tous les usages de la 4G. Et donc la proximité avec les autres, le dialogue avec leur famille typiquement via des appels vidéo, mais aussi toutes les démarches et toutes les démarches quotidiennes de l'ensemble de la population. Les usagers de la 44, puisque c'est un axe routier fréquenté de plus de 1000 véhicules par jour en moyenne sur l'année, donc forcément les gens qui s'arrêteront au village, qui déjeunent au restaurant ou qui ont des affaires à faire, forcément je pense que c'est un outil de travail supplémentaire. C'est un plus pour tout le monde, pour le département, pour la commune et pour tous les gens de passage. Le corollaire, c'est le désenclavement du département. Ça permet aux habitants de rester ici d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui s'inquiètent et qui attendent, qui patientent. Et ce New Deal, finalement, c'est la réponse de l'État par l'intermédiaire de la préfète, des réseaux qui sommes finalement tous ensemble pour amener ce mobile que tout le monde attend. L'intérêt de la 4G pour nous, c'est qu'on travaille sur plusieurs bâtiments sur la ferme, la maison, la fromagerie, la bergerie. Et donc du coup, on a énormément d'applications sur le téléphone portable. Et la 4G nous permet de nous connecter rapidement partout. La 4G donc, a transformé notre vie professionnelle en tant que médecin, puisque nous avons tous nos dossiers médicaux qui représentent à peu près 5000 patients. Nous les avons sur notre portable et nous pouvons donc, les consulter donc, à n'importe quel endroit. Et nous attendions ça donc, de façon très impérative et ça a permis donc, d'améliorer essentiellement et de façon significative la prise en charge de tous nos patients. Alors la 4G, ça a apporté beaucoup au niveau des rapports d'expertise. Ça arrive plus vite. Les représentants, quand ils viennent, ils peuvent nous montrer leur logiciel directement sur tablette. Le réseau 4G, grâce aux applications GPS, le garage est localisé automatiquement et on peut nous appeler. Je télécharge des applications souvent, comme les réseaux sociaux ou les jeux, et ça met vraiment moins de temps qu'à les télécharger. Du coup, on y va plus souvent. Les opérateurs se sont engagés à déployer 5000 nouveaux sites sur l'ensemble du territoire. Les prochaines étapes pour la Fédération française des télécoms sera de faire des points d'avancement du New Deal dans les départements afin de pouvoir mesurer concrètement aux habitants les avancées permises par le New Deal.